Boris est là, qu'est-ce qu'on fait? Boris! Ça va mourir! C'est un peu dur à expliquer, là, mais est-ce que ça existe des MTS de chevreuil? Oui, puis ça se guérit pas. Pierre-Alexandre sous l'eau, à 20 000 pieds en dessous de la mer. Et là, on explore et on espionne les baleines. Et là, je sais que tu sais chanter le chant des baleines. Oui! J'avais dit que je les attirais vers nous, s'il te plaît. D'accord, je suis un chanteur professionnel de baleine. N'essayez pas ça à la maison. Bonsoir. Premièrement, félicitations pour votre programme. Merci. Chapeau. Alors, ce soir, je vais faire la chanson sous l'eau. Ça va bien que sous l'eau. On va essayer de bien faire non. On appelle ça secoue bébé hein, pour le sécher. Hein. Alors, il le sort de l'eau et il le secoue. Alors, traumatisme crânien à gauche, traumatisme crânien à droite. Et moi, ce qui me frappe, c'est l'absence totale de remords dans le visage du mauvais comédien. Non, là, je vais te montrer comment on fait des hot chicken. Tu prends le poulet, puis les patates. Tu mets tout dans l'huile. Tu brasses un peu. Puis tu mets ça avec des patates. Donne-moi de te rappeler une autre passion de Jésus, parce que t'as l'air assez niaiseux, je t'en souviens plus. Heureusement. Les lapins. Jésus était un passionné de ce sorte de petit rongeur qu'est le lapin. Pas les lièvres. Là, parce que les lièvres ne poussent pas à Nazareth. C'est tout ce que j'avais à dire sur les lapins. Contrairement aux rumeurs, les lapins ne pondent pas d'eux. Thank you.